bienvenue à Créteil qui nous accueille ce samedi soir. C'est la suite de la 15e journée de l'équipe Molly Star League avec la rencontre entre Créteil et Chambéry. Et c'est donc les Cristoliens que l'on va pouvoir observer en premier à l'attaque dans cette rencontre. Face à lui, Jean-Loup Faustin. Oh, la parade de Todor Jandrić. Costoya avec Skoubé. Ouais, Sébastien Skoubé qui va décaler le petit kung fu sympathique avec Pierre Paturel. Skoubé. Avec Costoya et le décalage pour Keido Traoré, voilà. Oh, attention. Ouais, attention, la faute sur Alexandre Trita qui est resté au sol. Oh, le carton rouge. Oh, le carton rouge sorti. Coup dur hein, pour les Cristoliens qui perdent donc Kylian Rigaud jusqu'à la fin de la partie. Allez, le voici avec le ballon. Piroc avec Sissoko. Et la petite roucoulette tout en finesse tenté par Mario Lopez. Ça par contre, ça a été très bien vu. La jolie passe. Et ensuite, il a fait le boulot. Antoine Tissot sur l'aile droite. Et est-ce que comme tout à l'heure, ils vont reprendre deux buts d'écart? Jean-Loup Faustin peut-être. Ouais, c'est lui qui y va. Et la sortie, la parade phénoménale. Dylan Soyer qui est sorti là. Giblin, cette fois-ci c'est bon, c'est fait, 13 partout. Il en a déjà mis 4. 4 sur 4. Et 5 sur 5 pour Mario Lopez. Nicolas Portner n'avait même pas bougé, on l'a vu. Mi-temps, les deux équipes à égalité, les deux équipes dos à dos. On est de retour ici à Créteil après 15 secondes de jeu. Grosse défense de Chambéry. Le bras est levé. Sissoko va y aller avec Giblin qui va shooter. Et on le sait, Johan Giblin, c'est sa spéciale. Sissoko, toujours les Cristoliens avec la possession. Elle n'a pas cette fois-ci. Non, non plus. Rodriguez. Rodriguez qui a été lancé en vitesse. Giblin, contré encore une fois, attention, Richert cette fois-ci en contre-attaque et Benjamin Richert qui trouve le filet de Dylan Soyer, plus 4 pour Chambéry. Et maintenant c'est Chambéry qui a une possession de plus 5, et c'est bien négocié. Et ouais, plus 5 pour les Savoyards qui prennent le large là. Ils se donnent de l'air. Créteil n'y est plus vraiment. À moins que, regardez ce qu'il a fait, Johan Giblin. Dans un angle très très compliqué, il réussit à trouver la lucarne de Nicolas Portner. Lui par contre, il répond présent. Et on se régale. Oh, et la parade aussi de Nicolas Portner. Attention, elle est importante cette possession. Ouais, par contre là, il a été laissé tout seul. Keido Traoré, mais regardez Dylan Soyer, le point rageur. Oh, encore, mais où s'arrêtera-t-il? C'est son 15e. Hein. Dylan Soyer qui nous réalise une très très grosse performance malgré son équipe derrière toujours. Peut-être plus pour très longtemps. Créteil revient à 3 buts. Seulement... Imaginez si Créteil réussit à remonter. Paredes. Pablo Paredes, la Peña, 4 sur 4 pour lui. Et est-ce que Dylan Soyer va encore nous sortir une parade de sa poche? Sa Trita peut-être. Non, Trita. Voilà.
jouer, il reste moins de 2 minutes. Trita. Trita avec Paturel. Pierre Paturel! Plus 3 pour Chambéry, le 30e but des Savoyards, 30-27. Allez, 45 secondes à jouer. La possession pour tuer définitivement le match. Et Benjamin Richert, voilà, qui vient offrir définitivement la victoire à Chambéry. Victoire, voilà, donc de Chambéry. 31-29. Et donc la quatrième place pour les Savoyards. Ils passent devant Toulouse et devant Saint-Raphaël qui jouera demain.